Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On est sur une ceinture séculaire. On va essayer de faire un jet Near Perf sur le PuPo hein, principalement pour mettre une rune trans derrière pour un Eka Flip Feu PVP. Voilà, donc c'est le premier PO. On a 50,7 depuis. On peut aller chercher. Oh, ça fait mal déjà. Bon, idéalement, j'aimerais bien mettre de la pavire à Vipod pour avoir du perf, mais. L'item va pas être facile à faire avec les 50 de sagesse, on va pas commencer à faire le greedy boy. On va y aller tranquillement comme ça. Ok. Je pense qu'il va falloir qu'on termine les tentas par PO Rasa pour avoir une chance que ça passe. Parce que sinon, ça me paraît quand même très compliqué à faire. Ok, le crit. Oui. Bah, c'est bien ça. Ah bah non, c'est pas bien ça. Moins 12. Il me reste 15. En vrai. Le mieux que j'ai à faire, c'est essayer de soigner les lignes que je peux. J'ai moins 6. Ok. Là, j'ai plus 0,1. J'ai 9,8. Je peux tenter des runes ici, peut-être. Ok. On va y aller en rune vie. Non, en rune intel. Voilà. Allez, PO, PO écrit Traça, s'il vous plaît. Ok. En vrai. Pourquoi je fais comme ça? Parce que. Si le PO passe, bon déjà c'est cool, et après la Rasa en fait, si elle crit, bah c'est ouf. Et si elle passe en succès neutre, il y a une chance qu'elle casse le PO, auquel cas, ça me fait un peu de puits pour remonter encore 2-3 lignes et pour essayer de remettre le PO, vous voyez, c'est pour ça que je fais dans cet ordre. Là, en vrai, froid, si la Rasa passait, ça me mettrait archi bien. J'ai vraiment besoin de cet item, c'est le dernier qui me manque pour pouvoir faire du PVP avec mon Eka Flip, donc là j'ai vraiment envie qu'il passe. Ce serait vraiment chouette si on pouvait avoir la Rasa là. Ah là là. Après, le call, c'est que là, je peux essayer de mettre les plus grosses runes pour essayer de casser le PO. Ah, mais, what the fuck. Oh là là, la pado. Si j'ai un crit pado, c'est bon. Alors là, par contre, ça va être technique. Ça entretient le suspense, hein, mais c'est compliqué, là, il me faut le soin. Non, bah, tant pis. On continue, c'était à pas grand-chose. Je pense qu'on va quand même on va s'en sortir avec ce genre d'approche, mais là, c'était très beau. C'est un peu un ascenseur émotionnel, mais c'est comme ça. Allez, on continue. Bon, 46 de puits, une tenta potentiellement stylée, les congruences sont très belles, mais bon, il va falloir que ça passe. Commencer par l'over intel. Bah super. Bah GG à tous. 48 de puits. Est-ce que je pars dans l'optique d'over intel ou pas, et de chercher le perf intel? Ou est-ce que c'est du grid? Ah, j'aime bien les perf stats quand même, mais l'item est compliqué. On va jouer le mec sécure. J'aimerais bien que l'item se termine un jour quand même, donc bon. Ok, on va mettre un docri, moins 5. Moins 3. Bon, ça se présente pas trop mal. On va go soin, crit, moins 10, il me reste 20. Moins 11. Oh, dommage. Moins 9, j'ai plus rien. Il manque un de crit. On a le PO. Le problème c'est que je peux pas mettre la Rasa s'il manque le de crit. Je peux espérer que la Rasa casse le PO et que du coup j'ai le puits pour mettre la Dokri. C'est pas exactement ce que j'espérais. Je peux encore espérer qu'une grosse rune fasse une dinguerie là, mais non, c'est mort. Dommage. On continue. 43 de puits. En vrai. Qu'est-ce qu'on fait avec la J? On va commencer par faire ça. On va ravi. Ok, j'avais peur que la ravi me troll. On va mettre une petite rune pod, tranquillement. On va jouer la sécurité là. Tac. Alors on a plus 0,1. Moins 7,5.
25-6. Mettre le deux feu. Ok, le crit met bien. Il reste 5 depuis. Ah dommage, ça aurait été cool. Il me reste encore 2. J'ai peut-être un peu de rap d'avant. Bah non, ça c'est 0 là. Ok. Dommage. 50,7 depuis. Bon, il faut passer la ravie. Ok. Dommage. Est-ce que je bourrine l'intel ou pas? Moi, je pense pas. On va mettre ça, moins 10. Moins 9. Repère. Ouais, dommage. Tant pis. C'est pas trop mal, ça. C'est pas mal du tout, les congruences sont sympas. Faut que la vie passe. Oh là là, ça me troll à chaque fois, bah, c'est mort. Il y a vraiment là, il y a quand même peu de marge de manœuvre hein, malheureusement. Oh, c'est tellement triste. Ça aurait pu faire un truc de ouf. Tant pis. Ouais, ça portait bien, ça avait de la gueule, mais... Non. 47 depuis. Alors, je pourrais bourriner les pavis. Je suis plutôt ravi. Ok, enfin ça me troll pas. Into fuite, et là on est bien. Ensuite il faut rainer into de feu. Oh le cri de soin, j'en avais vraiment besoin là. Il me reste 12, en vrai attendez, mais c'est pas mal ça. Oui, moins 5, il me reste 7. Mais... Ok, il reste 1. Là, ça. Let's go les amis. Mais je vous l'avais dit qu'on allait le faire comme ça en fait. Mais qu'est-ce que vous allez me faire? Qu'est-ce que vous... Mais je vous l'ai dit ou pas? Bon ouais. Non bah ça régale, c'est bien. J'avais besoin de finir l'item ce soir, bah, ça me régale. Bon et je vous avouerai que là vous voyez le petit moule reliquat là. Bon j'aurais aimé qu'il y ait une petite page en plus. Ça aurait fait un truc qui est... On aurait un peu step up sur la gueule de l'item, vous voyez ce que je veux dire. Là, le 37 AJ me chiffonne, donc je vais être très honnête, il y aura une autre session tryhard pour avoir mieux. Mais là, j'en ai besoin pour PVP, donc on va s'arrêter là. J'ai commencé à compter où? Ouais, non, j'avais pas de plus un rab. Hein. Je regarde si j'ai pas une petite tente à page qui reste en rab. Non, mais si vous voulez, les vrais forges magiciens, ils terminent leur FM à la Rasa, en fait, c'est ça, évidemment. Évidemment, comment faire autrement? En vrai, un item comme ça, puis PO avec quand même des lignes assez violentes et du 50 sagesse, il n'y a pas trop d'autres options. Écoutez, je pense que je m'y suis très bien pris, ma démarche était la bonne, et je pense que la prochaine fois que je ferai cet item, parce que bon, du coup, voilà, il y aura une autre session de tryhard dessus, ce sera probablement la même démarche, puis PO, et on termine avec PO Rasa, et puis voilà. Ok. Écoutez, ça va partir en rune trans, du coup. Je vous ferai les runes trans en vidéo plus tard. J'ai pas envie là de me précipiter pour vous le faire maintenant, même si ce serait bien que ce soit dans la continuité de la vidéo, mais bon, ce qui compte c'est que les stuffs du coup sont prêts pour PVP. Ou voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement là ça se finit sur une belle petite surprise. Bon voilà, il manque la petite page, il manque un peu d'ini, mais ça reste quand même un item qui est très dur à faire. Je vois très très peu de bogey qui circulent. Ça faisait longtemps que je cherchais à en acquérir une et voilà, vraiment j'ai vu zéro truc en HDV en mode marchand nulle part, c'est compliqué quand même à trouver. Donc voilà, si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.